De pair, puisque c'est vrai que Bruno Thierry l'année dernière a assuré eh bien, la présence de Ford. François Delecourt sera à vos côtés. Je crois que le team n'a jamais été aussi étoffé en Corse avec vous, avec Patrick Bernardini et François Delecourt. Non, je crois qu'ici il y a trois bonnes voitures qui sont, je crois, super bien conduites et rendez-vous dans trois jours, je crois que. Apparemment, ils étaient un peu endormis quand ils sont arrivés, alors je les ai fait une petite mise en jambe. Ils ont changé le pare-brise, ils ont fait la mécanique et, et les ailes et tout ce qu'il fallait. Et dans un état plus ou moins correct, j'espère qu'il va être comme ça jusqu'à la fin. Voilà, et bien écoutez, comme c'est moins qu'on puisse dire, c'est que vous démarrez. Sur le groupe N, il se trouve à égalité avec Bonne Humeur. C'est vrai que, comme on dit, si Amélie, vous ne saviez pas que vous allez faire le tour de Corse, et bien depuis que vous êtes lycée, et c'est vrai que votre nom a été inscrit. Philippe Gasqui est là avec Jean-Paul Caroli, on les salue. Didier Auriol et Denis Giraudet, c'est parti avec cette Toyota numéro 1. Thank you.
une surprise pour moi, bien sûr, de se retrouver en tête du Tour de Corse. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et la dernière journée est longue. Demain, ouvrir la route, ça risque d'être très long. Et avec François Delecourt et Didier Auriol dans le dos, ça risque d'être difficile. C'est une surprise. Je pense que Bruno a fait quelque chose de fantastique aujourd'hui. Il a été supérieur à moi, il a été plus vite, 6 secondes, mais c'est peut-être pas beaucoup. Mais je crois que pour aller chercher une seconde ici, c'est vraiment très difficile. On est très serré. Donc ce que je souhaite demain, c'est que tous les deux on soit à l'arrivée de la deuxième étape, sans bobo, sans accident, parce que ça va être dur de rester sur la route, que ce soit pour lui comme pour moi. Donc demain, je vais attaquer très fort. Mais en tout cas, je retiendrai aujourd'hui la super prestation de Bruno. Ha sido una jornada similar a la de ayer, ¿no? En cuanto a tiempos, en cuanto a nuestra posición. Hemos ganado una plaza porque hemos
pasado Andrea Ghini, está, no sé si son 8 o 10 segundos, está muy cerca. Estamos un segundo delante de mi compañero de equipo, Piero Liatti, y bueno, hemos vuelto a perder más o menos la misma distancia que ayer con respecto a la cabeza y a Oriol también, ¿no? Entonces, mañana queda la etapa más larga, la etapa más dura, pero veo difícil el poder mejorar esta cuarta plaza. Yo creo que el segundo día, pese a que nuestro coche va un poquito mejor, las diferencias con los de arriba son las mismas. Ayer terminábamos a 20 segundos o 20 algo de Oriol, hoy estamos a 40, quiere decir que nos ha vuelto a sacar otros 20 en el día de hoy. Recuperar el terreno a Oriol o los Ford es imposible porque nos han ido ganando los tramos, ¿no? Nosotros llevamos los tres Subarus, tres tipos diferentes de suspensión, hemos probado varias soluciones y parece ser que el problema no es la suspensión, ¿no? Es decir, con diferentes soluciones nuestros tiempos son más o menos parejos, estamos más o menos iguales y parece ser que en estos momentos el Subaru con los neumáticos que tiene, ese es el límite que estamos teniendo, ¿no? Pero los tres pilotos estamos atacando lo más que podemos y ahora nuestra meta es seguir atacando por si cometen un error de adelante y por supuesto intentar mantener a Ghini detrás. Yeah.
Maite, comment se bat-elle? Comme je le disais il y a quelques instants, il s'est